Rachel Bourdin qui va nous rejoindre. Ruth, elle va vous donner justement un petit peu d'optimisme, une petite touche de fraîcheur. Je la laisse parler. Ça va, Alexia ? Ça va. Je suis toujours Ruth Elbourdin, toujours en direct du Big 2020, qui cette année devrait s'appeler le Little, étant donné que nous sommes 12 dans l'aréna. Je peux vous dire que ça résonne. All by myself. Enfin, j'ai toujours rêvé de le faire. J'ai l'honneur de vous présenter le prochain thème, qui est la liberté d'entreprendre. La liberté, Alexia, est un des fondements de notre belle devise française, et surtout, une notion primordiale qui a donné naissance à un enfant sauvage mais prometteur, le libéralisme. Quoi de mieux que la liberté ? C'est la base de l'esprit d'initiative. Ça libère les énergies, c'est l'oxygène de l'entrepreneur. Ah, ça sent bon ici, il y a de la bonne liberté partout dans ce salon. Et avec la liberté, on peut tout faire, tout. Alors sentons-nous libres d'entreprendre. Regardez, si je veux, je sors du champ. Je suis libre. Libre de faire. Je jette mes fiches. Voilà, fou. Je les retrouverai peut-être jamais. On s'en fout. Si j'ai envie, regardez, pouf, je mets mon doigt dans mon oreille et je décide que c'est un téléphone. Allô, le tribunal de commerce ? C'est la musique d'attente. J'attends. Ah, bonjour madame, je vous appelle pour déposer les statuts de ma nouvelle société. C'est un club de plongée, mais dans de la soupe. Boum, esprit d'entreprise. Vous voulez le numéro de sirette ? Moi non plus. Monsieur le président, vous venez de dîner dimanche ? Il y aura de la pâte à modeler. Je suis libre. Je m'en fous, je dis n'importe quoi, je fais ce que je veux. Même au niveau de la grammaire, je fais n'importe quoi. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Rien, car je suis libre. Allez, ça suffit là. On a tous marre, on est coincés dans nos costards et dans nos masques depuis ce matin, mais libérons nos énergies. Alexia, faites le poirier. Poirier le fait. Oui, je mets les mots dans le sens que je veux, j'en ai rien à foutre. Voilà, se sentir libre d'entreprendre, je le conseille parce que c'est vraiment un bon délire. Bon, maintenant, j'ai pas forcément de business plan ni d'idée d'entreprise, mais waouh, je suis libre. Allez, à toutes. Je reviens. Merci beaucoup pour ce moment de fraîcheur, Ruth Elbourdin.